Le rêve est en train de se transformer en réalité pour les habitants des communes de Limété, Ngaba et Makala, desservies par l'avenue Université. En effet, les équipes de l'Office de voirie et drainage OVD en sigle sont en train de réaliser depuis près de 2 semaines des travaux dans le cadre du projet Tillé-Gelou. Ces équipes ont commencé par un décaissement du tronçon allant entre l'avenue Kianza et le rond-point Ngaba. Et après ce décaissement, ils en sont actuellement au chargement des matériaux en 0,80 et 0,31, ainsi qu'à la pose des bordures. Viendra ensuite la pose du béton armé, la couche rigide dont les structures métalliques sont repositionnées déjà au niveau des capella. Les experts sur place estiment que ce travail pourra s'achever en début du mois de juillet 2022. Et cela se réalise nuit et jour à la grande satisfaction des usagers de cette route qui ont été longtemps trahis par la mauvaise qualité des travaux réalisés par d'autres entreprises sur le même tronçon, ce qui compliquait essentiellement le transport des personnes ainsi que de leurs biens dans cette partie de la capitale, Kinshasa.